Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Starfield. Alors, j'ai fait une bricole ou deux en votre absence. Hein. J'ai fait un truc ou deux. Je reconnais ça. Je t'ai vu. Pio. Au close. Vas-y, ramène-toi. Do it. Massacre. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut que je leur tire dessus. Mince. Faut que je les bute, mais en leur tirant dessus. Y'a pas un autre truc ou deux à massacrer, là, vite fait? Ouais, toi, là. Ça compte. Ça compte quand même que pour l'un. Et ça compte quand même. Attends, il y avait d'autres trucs là. Ouais. Merde. Ça compte. Ah, un nutriment tissu en plus. Attends, je vais pouvoir faire de la bouffe avec ça. Mais c'est mille fois trop rentable. Y'a pas une autre buscage sous deux là, buté là, ouais, nourrissez-moi. Ouais, y'a un trou pâle, ok, ouais. Y'a pas un méchant là? Eh, méchant. Ouais, j'en ai une. Pinged. 20 sur 20, alors, je tire comme un gros sac, hein. C'est un mec arrivé, j'avoue. J'ai mon quota de décédés. Oh, le monstre! Picaille, pauvre con. Oulé, hein. Il est quand même sympa ce jeu quand il est fluide. Hein. Non, mais je pense que je prendrai un disque dur. Do it. Sors. Allez! C'est quand même pas non plus bon, c'est pas non plus une révolution quoi. T'as pas l'air bien toi. Allez. Voilà. Droit devant, site d'atterrissage. Let's go. Rushby. Ah bah c'est sur mon objectif d'ailleurs. Allô, je peux avoir le caméra 1, caméra 2. Oula, ça rame un peu. C'est rien, c'est un détail. Massacre. Oh, c'est bon, un petit massacre entre amis là. Bon alors tu te caches mon salaud. T'es mort quand même. Ouais, c'était dépouillé, ok. Ah non, oh. J'ai revu un autre gros cul là, tiens. Allez, viens ici. Viens ici, je te dis. Allez. Ah, ça l'a pris. Peut-être que j'arrête de tirer comme un nœud. Mais c'est beaucoup trop amusant. Tirer comme un gros tard. En plus, je suis bientôt niveau 2. Forcément, j'ai envie de tirer comme un sourd. Le tissu, c'est bon pour ce que j'aime.
Ouais, donc je disais, en off, il y a quand même un truc ou deux que j'ai fait vite fait. C'est que je suis allé déposer sur une planète mes glandules, là, pensant que ça réglerait tout de suite la situation, mais non, bon, bah écoute. Ah, faudra encore faire des trucs, faudra les retrouver sur la planète, bon. Je les ai déposés. Actuellement, c'est déposé. Bon, c'est de l'eau, on s'en fout. Ça a l'air d'être abîmé probablement. Avec mon nouveau pistolet. Ok. Alors, premièrement, sauvegarde. Deuxièmement, hop. Pas ça. Hop, le tranquillité classique. On gagne 1% d'XP en plus. C'est parti. J'aime l'XP. D'ailleurs. J'aime l'XP, mais Ah non, pas de points de compétence. Dommage. Bon, il y a une grotte par là. C'est des gentils ou c'est des méchants? Des méchants. Oula, ça allait un peu vite. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Il y avait quelque chose de valeur ? Non, rien du tout. Rien du tout. Que dalle. Niette. Même pas des pommes. Crédit, on prend toujours. Hein. Des conneries, des machins, on prend tout. Un cybertube. Un crétin. Le raisin des machins. Un aligneur, on aime ça. C'est la caisse que j'ai déjà vue. Hop. Là, normalement, j'ai dépouillé tout le monde, non? Peut-être pas toi. Si. Fait. Ok. Je pensais qu'ils étaient plus nombreux que ça. Ah, il y en a un dedans. Ok. Ça va se régler à l'ancienne, ça. Ça devrait être bon. Retournez voir le lieutenant. Je suis qu'un simple botaniste. Que nous veulent les Spatiards ? Là, vous êtes bien gardé, hein ? Ouais, la situation commence à nous échapper. Non, t'inquiète, la situation, elle est bonne, hein. La situation, elle est ok, c'est géré. Hein. Pistolet dessous, oh, oh, ça cache des choses sous les lits. Ouais, les grandes espérances, super, on est très content. Gros titre. Enfile, vas-y, enfile le citron, la pomme, le raisin, tout. Voilà. Je l'ai. Ok, il y a un frigo. Ils étaient par là. Beaucoup trop nombreux. Ouais. Ils nous avaient sauvés. Ah, carrément. Ces spatiards sont horribles. Horribles.
Dixit, le mec qui est obligé de manger. Ah, je suis obligé de manger de la nourriture conditionnée. Elle est même pas bio, dis donc. Ils sont vraiment horribles. Oh là là, incroyable. La situation commence à nous échapper. Remerciez Torres pour moi. Et vous aussi. Ok, je passerai le mot. Y a un autre truc que je peux éventuellement... Non, pas du tout, bon. Hop. Oui. Attendez, je fais une sieste. Je bois une gorgée voilà de café. Vous êtes bien reposé. Vous nous avez sauvés. Ah. Bonjour. Le caporal Mahoney a prévenu de votre arrivée par radio. Mais j'ignorais si nous tiendrions le coup ou pas. On a subi des pertes. Vous êtes héroïque. On me le dit souvent. J'en doute pas une seconde. Mahoney nous a conseillé de nous terrer. Il y a une grotte pas loin dans laquelle on va se cacher le temps que ça se calme. Rassurez-vous, je m'occupe de protéger les civils. D'accord. Parlez aux survivants. Je suis qu'un simple botaniste. Que nous veulent les spatiards? Ces spatiards sont horribles. Le scientifique a l'air très traumatisé. Hein. Cool. Donc nous, on sort de là et on me dit il faut que j'aille parler au lieutenant Torres à 400 et quelques mètres. Bon, allons-y. Je sais qu'on a une planète à explorer, mais ça peut attendre. Changer de zone. Oh non. Ah non, on peut pas faire ce que tu fais à côté de mon vaisseau, toi. Eh, t'es un dingue. Là, par contre, tu te déplaces pas sous terre, en fait. Tu te TP, quoi. C'est... embrouiller mon robot qui t'a rien fait hein. Pourquoi tu fous le feu à mon vaisseau toi? Le charme. Mais. Et laisse Vachko des gamma tranquille. Bon pion. T'es trop chiante. Bon, faut que je reprenne mon vaisseau pour aller voir Torres. C'est emmerdant parce que ça veut dire qu'on a pas exploré tout ça. Et franchement, on a un peu envie, non? Non? Pas vous? Non, parce que moi, en vrai... Si, hein? Si on pose la question... J'ai un peu envie d'aller voir, hein. Save. Et let's go hein. Ah, faisons une grosse save. Et let's go. Non? Une très grosse save alors hein. Impeccable. Ah, encore quelqu'un qui a laissé son sac de couchage, ça c'est fort aimable. Heureusement qu'il y a toujours des gars qui pensent à nous et qui laissent un billet ou deux. C'est sympa quand même hein. Des crédits. Non, par contre, non, je vois pas trop l'utilité sur une zone de dépannage de laisser des thunes. Je sais pas, on peut se faire livrer des trucs. Je
suis pas sûr, hein. Mais peut-être t'appelles un Uber Space, hein. Space Uber, tu connais pas. J'espère que vous avez calibré ce truc. Hein? C'est ça. De soin, je le prends. De bon cœur. Hein. Oh là là, le loot! Puis alors gratuit. Hein. Pas l'air très déserte et ta base. Un pirate niveau 2, oh non. Vraiment on en est là. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive. Sinon c'est niveau 2. Je meurs, on close. C'est quoi? Ah 10. Discute là. En deux là, deux c'était honteux. Hein. Et puis il me tirait pas dessus, il me crachait dessus. C'était pas la même chose. Hein. Environnement confiné? J'ai exactement ce qu'il faut. Oh 24! Ok, faut qu'on se trouve un petit truc qui donne. Bah, tu sais, c'est le moment de cramer les trucs d'XP machin là qui servent à rien. Là. Voilà, ça sert à rien. Ah, j'en ai gagné d'autres. Ah, d'accord. Non, ça c'est nul. Pas utile. Pêche. Non, on va avoir des machins qui rendent un peu de vie là, vite fait. Là. Voilà, 2 points de vie. 4 points de vie, parfait. Du lait, incroyable. Du synthé viande. Ouais, voilà. Ce genre de truc, quoi. Kit de soins, kit d'urgence. Allez, je m'en mets deux. Déverrouillons cela. Ça passe? Ça paraît très bien ça. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe. Eh ben j'ai échoué. C'était bien. On s'en occupera après. On sort. T'as pas d'autres copains ailleurs là? Attends, j'ai raté un truc. Ah, vous êtes dehors les autres? Ah, les autres sont dehors, ok, d'accord. Bon, bah, écoute.
Un théodolite. L'air joli, on prend. C'est parti, hein, let's go, hein. C'est tu pars même. Hein. Oh, il se passe vraiment un truc. Hein. Pousse-toi, connasse là. Dégage. Mais tu, putain, tu m'as niqué mon XP quoi. Mais quelle charogne. Mais dégage. Oh. Mais elle est insupportable. Au charme. Ne prenez pas de cabotte. Je prends ce que je veux, je t'emmerde. Putain, mais y'a personne en plus là, vraiment il restait un clodo à l'étage, c'est elle qui l'a eu. Ça me dégoûte. C'est un peu dommage que les pirates soient trop débiles pour ouvrir des portes. Je pense d'ailleurs que leur technique pour envahir les stations, c'est quand quelqu'un sort ou rentre quoi. Alors le double ça, c'est hyper dur pour eux. Hein, de pénétrer dedans, faut se dire. Oui, laboratoire de recherche, pas mal temps, évidemment. Ah, il a ouvert une porte. J'ai abandonné, hein, je me suis retiré là, je suis en looting là, just looting. Donc là, normalement tu m'attaques quand tu veux. Hein. Imhotep, ça passe. Hein. Des organes prélevés. J'ai pas envie de les prendre, c'est encore des emmerdes ça. Oh, le bon vieux Bourbon par contre, hein. Ça, mon gars, le bon vieux Bourbon. Ça, c'est pris. Mais donc, on a un peu de contrebande ici. Des mecs qui récupèrent des tripes. Hein. Voilà, y a pas de petites économies. Hein. Ouais. Cool. Ce que je cherche, ce que j'aimerais bien trouver, c'est une station pour modifier les armes. Peu d'équipement. Enfin, commence pas à me dire que je suis trop lourd. On commence pas à être relou comme ça. Hein. Voilà. Oh ouais. Oh ouais. Oh le déluge de PQ. Oh ouais. Incroyable. Ok. Ah, le jeu est en train de me dire que je suis trop lourd. Moi aussi. Ça y est, ici, mais. Vatels. Ok. Casque marron. En graviplat. En graviplace. Encore en proximité. Non, c'est une blague ça. C'est pas du sérieux. Il y a personne à proximité. Il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas de... Hein. Il n'y en avait pas. Thank you.
claque les yeux. Ok. Dans le noir, mais noir noir hein. D'un coup. Ok, c'est les jambes de l'autre gars. Il est mort tellement fort qu'il a traversé le mur. C'est fort hein. Du pognon, on adore. Elle était très déçue. Donc ça de l'autre côté, on a dépouillé. Ouais c'est ça, ça a été fait au-dessus, on l'a fait en bas. En bas là on a tué l'autre clochard ici là. Très bien. Bah, évidemment, alors évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas récupérer. Oh, une cuisine! Oh, la cuisine! Oh, la cuisine! Ah, ça, je peux pas l'ouvrir, ça. Allez, ça a été ouvert avec un coup de savate, c'est bon. Distributeur? Non, mais je m'en fous, ça dépend. Oh, si, vas-y. Tu me donnes. Croque au poulet emballé. D'accord. Petit copelet écrasé par terre. Je suis sûr qu'ils ont émetté. Oh, du café. Oh, du café. Oh, du café. Oh, ça valait tellement le coup de venir ici. Des grosses boîtes. Ah, il est temps de cuisiner quelque chose. De la liqueur alien. Ah ouais, maintenant j'ai des nouveaux plats. J'en ai pas beaucoup non plus, mais j'en ai. Des sandwichs alien. J'ai une seule tranche de pain, je peux en faire un. Thé alien. J'ai une eau distillée. Ah, je pouvais faire du thé alien perlé. Du yellow splash. J'ai une pêche, donc je peux faire des trucs, quoi. De l'eau distillée. Ah vas-y, on va en fabriquer un peu. Et on va se fabriquer quelques viandes séchées d'aliens également. Voir si ça nous redébloque des toniques aliens. Si des aromates. Des trucs avec des aromates. C'est juste de l'eau distillée et des fibres. Hein. On verra ça après. Et des aromates. On va en faire un pour le fun. Voilà. Et ça, on va se refaire de l'eau distillée du coup. Hop. Voilà, du thé alien. Ah, tout pile tout rond. Hop, on finit à Secos. Voilà, on se fait un peu d'XP, ça fait plaisir. On se régaler là un peu. Ah, ça que c'est bon, hein. Ça qui vole les jeunes. Là, je sais plus, j'avais dépouillé l'autre clochard là, dehors. Ouais. On va aller tuer celui qui se balade en haut. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. Bon, pas la différence. Ah oui, et il y a ça aussi. Certes. Toi, ça rentre, hein ? Si ça, ça rentre pas ici. Hein. Ça rentre pas? De toute façon, je m'en fous. Je m'en fous que ça rentre ou pas. Voilà. Voilà, c'est ça ma réponse. Voilà.
Du vanadium. Ok, bon bah un morceau de vanadium. Ouais, bon bah c'est mignon, mais ça aurait été plus sympa avec avec un petit magazine. Hein. Si on avait été accueilli ou avec des gobelets propres. Mais vraiment mal accueilli le jour. Bon, allez buter l'autre crétin. Let's go. Pique un peu les yeux. Ok, on a des aliens décédés un peu partout à gauche à droite, très bien. Il restait pas un crétin. J'ai perdu un gars. La petite glacière. Impeccable en céleri. Mais pourquoi l'autre? Pourquoi t'as fait ça, madame? Ah. Mais... il est où ce con? Je sais pas où il est. Récupérez bien tout ce qui pourrait être utile sur cette chose. C'est ce que je fais. Ah bah voilà. On va trouver le dernier abruti. On va donc pouvoir aller se faire une petite sieste d'une heure. Et fouiller 3-4 cochonneries. Enfin, recuisiner un truc. Alors, la cuisine c'est ici. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié tout ça moi. Oh là 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 là. Oh là, le gars il fait pas attention, il travaille mal, hein. C'est pas sérieux ça. Alors, je pourrais cuisiner des choses, je crois. Ah non, j'ai plus de. Ah, c'était pas du nutriment que j'avais récupéré. Aïe 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 aïe. La faute grave, le gars n'a plus rien. Il y a une station de recherche à l'étage, on va juste vite fait pioncer une petite heure. Ah, il y a ici là. Ah, une petite heure vite fait. Vous avez bien dormi? Parfait. Prochaine oh oui, nickel. La lune. Ça, voilà. C'est ça que je veux. J'ai pas beaucoup de compétences supplémentaires, mais... ça, maintenant, il y a des choses que je peux débloquer, voilà. Ah, j'ai trouvé un peu de beurre. Mixologie de la poutine. Poutine, hein. On rigole plus. Hein. Tout le reste est bouclé. Il faut que je débloque des compétences et encore des compétences. Il serait pas inintéressant de s'y mettre, d'ailleurs. Parce qu'en fait... ouais, faut que je monte de niveau. Le problème, c'est vraiment la montée de niveau, quoi. C'est très très lent. Enfin, c'est très très lent. C'est dire. Visiter la grotte, je voudrais juste... Ah bah... ouais, des petits trucs là. Hop là. Il y avait un site d'atterrissage aussi du coup que j'ai pas... Je suis désintéressé du site d'atterrissage.
le fameux ensemble de rochers buggés. Superbe. Faudra peut-être que je lui refile quelques flingues à la mission. C'est pas encore critique en vrai. Et que je dis ça. Je dis ça, je me galère. Hein. Voilà. Du coup, où est-ce que je cherche? Elle est là. Changeons de l'équipement. Vous avez quelque chose pour moi? Même si je pense que je porte beaucoup trop de cochonneries, je vais lui filer. Je peux te filer tout ça? Non, tout ça. Ouais, stock tout. 289, on est encore trop lourd. Prends des flingues. Terminateur. Assassin calibré, machin et tout. 30% de dégâts contre les extraterrestres. Ok. Et le vol de Médoc. C'est amuse-toi bien. Je suis à 224. On a de la place. On peut se déplacer. À plus. Bon, surtout que là, on va visiter de la grotte. Normalement, c'est bon. Enfin, pas trop lourd. Hein. Ça, on va s'en sortir normalement. Et regarder à gauche, à droite. Et puis, bah, courir. Hein. Toujours pas trouvé de... Dans la faune, il manque toujours quelqu'un. En train de me dire le jeu que j'ai pas buté tout le monde 15 fois. Ben si, mais pas assez visiblement. Qu'est-ce qui t'a buté, toi? Une grosse question. Hein. Oh, il y a des bagarres. L'humain, le numéro 1 de la prédation. T'arrives à rater ça? T'es motivé, hein? Voilà. Ça me fait plaisir. T'as vraiment raté ça comme cible? D'accord.
Bon, la grotte en elle-même, je suis pas sûr qu'elle soit très intéressante, mais alors par contre, l'XP qui était devant... Génial. Vous voyez bien tout ça avant de le mettre dans votre sac. Niveau 1, ça n'a pas grand intérêt. Avec un peu de chance, il y aura de la bouffe. Voilà. Allez, let's go. Allons voir cette grotte. Ok. On grimpe. J'ai du mal, hein. La grimpette, c'est compliqué. Ah, petit café. Oh. Le café. Je l'ai vu gigoter. Je l'ai grillé. Ah oui. Une grotte à cristal. Salut mec. Ça va gros? Oh, à l'aide. Pitié, aidez-moi. Je dois rejoindre mon vaisseau. Mais j'ai besoin d'aide. On s'est fait attaquer par des prédateurs locaux. J'ai réussi à me protéger là-dedans, mais... j'ai plus d'issue. Ils sont trop nombreux. Ils vont me mettre en pièces si je tente ma chance en solo. Mais... vous avez l'air capable de m'aider. Un sauvetage, ça vous dit? Ouais, oh ouais, tiens, prends ton kit de soins. Alors allons-y. Mon vaisseau n'est pas très loin d'ici. Je l'indique sur votre scanner et on pourra se lancer. Le dernier qui m'a dit ça, c'était à l'autre bout. Hein. Allez. Activité. Évacuer le survivaliste. Impeccable. Voilà. Attends mec, d'abord pouiller, récupérer des minerais. Le fer, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Oh, le fer qui est devenu si rare comme ingrédient quoi, s'il te plaît. Vous êtes pas arrivé au milieu de prédateurs hein, les gars, vous êtes tombé au milieu d'un règlement de compte, hein, parce que moi j'étais dehors. Hein. Un règlement de compte hein. Ouais, c'est ça que j'ai pas fouillé. Voilà. Y'a plus qu'à se tirer d'ici. Oh ouais, hein. Encore la caverne, elle est pas assez grande pour mettre des lubrifiants, hein, parce que sinon... let's go. Bon, c'est le moment où je vais m'énerver parce que je vais regarder ma boussole et ça va être à l'autre bout de la planète. Non, pas du tout, c'est par là. C'est loin ton machin, avec le survivaliste. Je suis à 700 mètres de... ah, ouais, c'est un peu intéressant aussi. Bon, bref, on passera l'occasion. Allons-y, on va l'évacuer. Oh, des Louise. Oh, Louise. Mais... bon, mon PC, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh, le jeu, par pitié, le jeu, quoi. Quoi ? Le jeu, par pitié, quoi. Oh, le disque dur SSD, quoi. Mais même le disque dur SSD, là, il flambe, là. Vraiment. Bon, il devait peut-être me recharger tous les extérieurs, je sais pas, mais ça me paraît un peu gros qu'il ait... il ait à recharger tous les extérieurs, quoi, de toute façon. Mais... t'as pris l'argon? Non, même pas. Prends-le! Voilà, ça rame, hein. Oh la pauvre quoi. Elle était là, elle pionçait. Le petit a sauté. Ouah, ta 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 ta. Terminé. Le sauvage.
Et je rappelle, c'est censé être elle, la Luiscage, la prédatrice. Hein. Pas l'humain, visiblement, techniquement. Mais il y en a un des deux qui a inventé le flingue. La sauce! Oh, attendez. On est là. On rigole, on tire sur des trucs, mais... On peut améliorer notre commerce, déjà. Voilà. C'est important, au beau milieu d'une fusillade, d'améliorer son commerce. J'aurais pu améliorer ma capacité... Pourquoi tu tires, là? Ah, mais t'as embrouillé le... Mais on brouille pas n'importe quoi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, tu mets une graine? Pas d'arrangement. On sait pas hein, sinon. Faites bien attention à vous. Mais c'est toi qui embrouille tout le monde. Ah, super. Il y avait une Louise. Louise, t'es où? Il y avait une Louise ici, c'est pas moi qui l'ai tuée. Donc personne ne l'a tuée. Elle est où? T'es plus chère, elle est où? Ok, ton vaisseau est juste derrière ce troupeau. Prends pas de risque, hein. Prends pas de risque, l'autre il est parti. Il est sûrement parti pour en gros tout le monde, dans le doute. L'enduit issu de matériel génétique alien, ouais, super cool. Cool.
Bon. Je porte trop de choses, c'est ça? Ouais. Vous avez vérifié que c'est sans danger? Ah mais me dis pas que l'autre débile il est mort sur la route là. J'ai bien peur que l'autre débile il soit mort sur la route. Bon, on va voir hein. Ça arrive à son vaisseau. Je vois plus la quête active. L'autre débile il est mort je crois. Il est peut-être allé se suicider contre une huiscage à un moment donné. C'est possible. Zef hein. Le mec avait trop envie de mourir, hein. Je l'avais noté. Hein. Ouais, un peu armé ton truc là. Il est dangereux en plus. Ok. Ah, c'était son chez lui, ouais. Merde alors, j'ai raté ma mission juste parce que l'autre c'est un débile. Oh, il me fatigue. Bon, on va tenter ça et on va voir si on a une sauvegarde auto juste de avant et qu'il meure. La auto à... Oh putain, ça va être à la sortie de la grotte, c'est ça ? Un sauvegarde auto, c'est à la sortie de la grotte, c'est sûr. C'est pas grave, hein, moi j'accepte. J'accepte de perdre. Ah non, ouais, c'est dans la grotte, quoi. Ah ouais, c'est. Oh, mec, tu saoules. Bah t'attendras ici. On vient te chercher après. De rappeler que effectivement j'avais dû oublier ça. Non, je l'avais eu l'uranium. Une membrane, là y a rien. Ok. Lubrifiant. Cool. Bon gros lubrif. Vas-y boy, on va te sortir de là. Et où? Et où ce con? J'ai perdu ce con. Et où ce con? Ah, il est là. Un coup de main, s'il vous plaît. Ouais, ouais, super. Pitié, aidez-moi. Je dois rejoindre mon vaisseau. Oui. On s'est fait attaquer. Ils sont trop nombreux. Eh, franchement, je suis trop content. Eh, franchement, prends ton kit de soins. Alors, allons-y. Mon vaisseau n'est pas très loin d'ici. Voilà. On va te prendre en quête actif. Non, ça, c'est bon. Activité, évacuer le crétin. Ah, ça dégoûte. Ça dégoûte. Et ce qui dégoûte le plus, c'est que j'ai perdu un niveau dans l'histoire. Mais bon, tant pis, on va économiser les combats, en espérant que ce crétin n'embrouille pas tout ce qui traîne. Et puis on va sauvegarder tous les 200-300 mètres. Oh, puis j'ai à décharger toute la map. Oui. Je pense que l'avenir du jeu vidéo, là, c'est vraiment d'avoir une IA dans le jeu qui est capable de comprendre que vu que tu recharges une partie
sur la map sur laquelle t'étais, elle ne décharge pas la carte. Elle réinitialise les éléments qui sont dessus. Mais elle te reprend pas toute la carte. Ouais, mais je vais être obligé là. Je suis obligé de la tataner elle. Vous en avez marre de la vie ou quoi? C'est très bien passé. Par contre les troupeaux faut qu'on les évite, mais faut pas qu'ils rentrent dedans le tronc. Hein. Consomme moins de carburant. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part moi pilotage, je peux rien débloquer. Bon, combat, je peux débloquer la suite. Est-ce que c'est ce qui m'intéresse? Je suis pas sûr. Ça, on peut pas déverrouiller tant qu'on n'a pas fait, je suppose, quelque chose avant. Genre certification en armes. Ah non, ça c'est les armes lourdes, peut-être pas. Physique, tout est à fond, hein. Y a pas, hein, pas tortillé, hein. Nutrition, les boissons, alimentation, c'est 10% plus efficace. Ouais, c'est mignon, ouais, c'est mignon. Ouais. Ah! Ne consomme parfois aucune ressource, d'accord, bah, nous sommes devenus le grand master of the cuisine. Super. Vous allez voir, on va faire du Coca-Cola, hein, avec notre niveau de compétence. De l'ur. Je l'ai buté là. Pleine santé. Je suis concentré, hein. Attention. Ça veut dire qu'il y a des méchants, c'est sûr, c'est sûr. Le jeu, il charge des méchants. Buiscage malade. Visiblement, elle a une petite toux sèche. Ok, raid de l'huiscage. Ne laissez rien derrière. Bon, je vois des l'huiscages à gauche, je vois des l'huiscages à droite, je sais que ça va mal passer. Hein. Ça va mal se passer. Automatiquement. Ok.
se cache que je voyais. Eh, enlève-moi ça. Moi, mon flingue. Oh putain, le jeu, allez. Allez, ça crève. C'est vraiment, c'est truffé de Louis Cage entre les deux. Hein. Des Louis. À transporter tous ces trucs. Bah, je sais pas, je dirais parce que c'est des ressources, connasse. Bon, je me sauvegarde vite fait ici. Ok. J'essaie de contourner le troupeau qui se déplace. Je suis obligé de le rentrer dedans. J'essaie quand même de passer derrière, mais je pense que... qui campe quoi. C'est pas trop un problème si l'autre il vient pas les agresser tranquillement. Tout se passe bien. Tranquille, tranquille. Bon boy, t'es arrivé à ton vaisseau, tout va bien? Vous m'avez sauvé la vie. Ah, je sais, ouais. Merci beaucoup. De rien, du con. Vivre hors du système est une gageure. On n'est pas une gageure, une gageure. Sans vous, je serai plus là. Eh, c'est bien assez d'aventures pour toute une vie. Quel plaisir. Merci, mec. Merci pour le petit billet, hein. On va juste se placer. Alors des fois je me mets comme ça parce que les vaisseaux ils gênent un peu la vision, la thermoméga vision. Par contre c'est pas un site d'atterrissage, c'est vraiment juste déposé là comme ça mec, comme de nulle part. Super. Ok, bah écoute. Nous ce qui va nous intéresser du coup c'est la structure là-bas. À 1300 mètres. Donc si le mec vous avait perdu un temps fou pour l'épisode. Oh, repère naturel. C'est pour nous. On y va. C'est parti, let's go. Prochain arrêt. N'hésitez pas à mettre des objets. Passe un peu vite, ma fille. Oh mais changeons de l'équipement. On va même faire plus simple. Je pense que on va s'arrêter ici. Moi je vous retrouverai devant le. Ah le conteneur est plein. Ah mince. Ah on peut plus rien mettre dans. On peut plus rien mettre dans la madame. Madame Ribourg. On se voit plus tard. Bon on se voit plus tard. Vas-y, let's go.
On se fait ça. Moi, je vais aller là-bas. Là-bas. Et puis... oh, lui, il se cache. Coquinette. Allez, crève. 33 pex. C'est bon, ça. Je suis pas en train de mettre fin à l'épisode, hein, c'est ça. Hein. C'est ça que vous êtes en train de vous dire, enfin que tu es en train de te dire ce que tu es tout seul à regarder la fin de cette vidéo. Personne ne l'a vu. Incroyable. Allez, on se prend un petit peu de benzen. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop, on se met. Hop hop hop, on se met par là, on est pas mal. Ok, je vois pas d'autre point que ce truc naturel là-bas, là. Ça me paraît bien. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Code d'Habitude Gaming pour Starfield, et je vous dis à la prochaine. Ciao.